Bonsoir tout le monde, mercredi 6 novembre 2024, c'est VOA Creole qui est entré la CAO pour une nouvelle édition rendez-vous. Moi c'est Jacques Lebelizer, quelqu'un grand point cap dominé actualité. This was, I believe, the greatest political movement of all time. Actualité ici aux États-Unis, ancien président républicain Donald Trump remporté élection présidentielle sous vice-président démocrate Kamala Harris après une campagne électorale historique. Plusieurs leaders mondiaux, parmi eux le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, réagit après victoire Donald Trump dans l'élection présidentielle. Et puis dans le pays d'Haïti, Premier ministre Gary Conny bat bravo pour la démocratie américaine pendant qu'il lance un avertissement contre déportation massive haïtienne aux États-Unis. Bonsoir, l'autre fois encore. Actualité ici aux États-Unis. Ancien président républicain Donald Trump remporté élection présidentielle sous vice-président démocrate Kamala Harris après une campagne électorale historique. Projection Jean-Robert, 277 grands électeurs pour Donald Trump et 224 pour Kamala Harris a marqué un retour historique pour ancien président républicain. Enfin, dit que, eh ben, c'est un retour en pile. En pile spécialiste considéré retour ça comme un retour historique parce que eh ben président l'imité déjà prend yon mandat dans et tête la maison blanche mais faut dit tout après victoire ça gagné en pile analyse qui fait sous victoire ça que ancien président républicain remporté sous Kamala Harris nous allons rejoindre Valérie Saint-Louis. Li officiel, à l'âge de 78 ans, Donald G. Trump, ancien président américain, pral yon autre fois encore retourner occuper la Maison Blanche comme président des États-Unis. N'après les pages d'histoire pour nous rappeler que ça t'est fait déjà dans fin année 1800, yo, côté que président Stephen Grover Cleveland t'est 22e et retourné 24e président des États-Unis, même Jean avec Donald Trump qui servit deux mandats qui pa yon après l'autre comme 45e et 47e président américain. Pour nous comprendre qui j'ai un deuxième mandat Donald Trump t'a déroulé, nous ca retourner garder dernière déclaration li fait pendant campagne. Immigration c'était un gros thème pour Donald Trump, ensemble avec politique nationaliste yo, avec slogan lien America en vent. N'a pas rappelé que en 2017, 7 jours après que le fin prêté serment, Donald Trump t'a imposé une interdiction voyage 90 jours pour empêcher citoyens 7 pays qui en majorité musulmans entrer ici aux États-Unis. I'm establishing new vetting measures to keep radical Islamic moi a établi nouveau mezi pour contrôler terroristes radical islamique qui aurait été dehors les États-Unis. Nous pas vle ici là pendant campagne présidentielle à l'ESA, Donald Trump t'est parlé avec conviction sur ça li rele évasion immigrant yo. Il était arrivé fait problème sécurité sous frontière, tourner un thème électoral clé. Il était disciple li dans état Caroline du Nord, ça li pral dit nouveau président Mexique là. I'm going to inform her on day one or sooner that if they don't stop this onslaught of criminals, moi pral informer mamzelle dans premier jour yo que si yo pas suspend attaque criminel sa yo ak drogue kap antre dans pays noir, moi pral immédiatement imposer yo tarif 25% sur tout sa yo voye ici aux États-Unis d'Amérique. Pendant présidence lien Donald Trump t'a imposé tarif yo sur importation chinois yo et t'a semblé pas gagne en pile chance pour t'a changer tactique li a fois ça. They've really been hurting us, it's so ridiculous. Yo t'a vraiment fait nous mal, ça tellement ridicule. Yo t'a arrivé fermé, tout le monde perdit travail yo. Après yo t'a fin fait ça dans pays yo, ensuite yo voye li tourner ba nous sans taxe, sans rien. Et puis nous perdit compagnie yo, nous perdit travail yo, nous perdit tout bagay et ça tellement stupide. N'a pas rappelé tout que Donald Trump t'a retiré les États-Unis dans l'accord Paris 2015 là, yo traité international qui abordait changement dans climat, réchauffement planète là avec émission gaz à effet thermique yo. Dans deuxième mandat li comme président, Donald Trump promet que le pral prend une approche plus protectionniste et puis quitter derrière le passé pendant 4 dernières années que président Joe Biden t'est passé sous pouvoir. Tina Trench pour VOA News, adaptation créole, Valerio Saint-Louis pour VOA Créole depuis Washington DC. N'a pas pour nous retourner sur journée historique ça hier, mais en attendant, il y a plusieurs leaders mondiaux qui félicitaient ancien président Donald Trump après victoire dans l'élection 5 novembre 2024 là. Gentil Augustin Junior. Leader mondial yo, pas de printemps pour réagir sur réseau social X pour féliciter ancien président républicain Donald Trump pour réélection li. Ça qui fait le 47e président qui pral mener back États-Unis.
Dans tweet président français Emmanuel Macron, il dit: Félicitations président Donald Trump. Moi paré pour nous travailler ensemble, j'en t'ai fait ça pendant 4 années. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu déclaré: Félicitations pour plus gros retour qui fait dans l'histoire. Et nous cali, retour historique ou dans Maison Blanche là, offre un nouveau commencement pour Amérique là, avec une puissance nouveau jour dans gros alliance entre Israël et Amérique là. Réaction yo te continue à tomber sur réseaux sociaux yo. Dans tweet président ukrainien Volodymyr Zelensky, li félicite président Elia et nous cali. Moi apprécier engagement président Trump dans approche la paix à travers force dans affaires mondiales là. Ça c'est exactement principe là qui ca pratiquement porté yon la paix tout bon puis près Ukraine. Li presque impossible pour aggraver lien États-Unis avec la Russie. Relation historique ça nan yon niveau qui pi bas. Et puis ça pral dépend des prochains leaders États-Unis. Président Poutine te dit plusieurs fois qu'il est ouvert pour un dialogue constructif qui chita sous justice et égalité ak volonté pour préoccuper sous inquiétude chaque monde. Nous pral wè sak pral passé nan mois janvier. Secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres félicite peuple américain pour participation yo nan processus de démocratique là et écrit Nations Unies paré pour travail une façon constructive avec administration Donald Trump là. Président Mexique là Claudia Sheinbaum assuré mexicain yo pas gain raison pour yo inquiéter yo. Elle déclare: No hay motivo ninguno de preocupación. Pour compatriotes nous yo, pour entrepreneurs mexicains yo, pas gain aucune raison pour inquiéter. Mexique toujours devant. Nous c'est un pays libre, indépendant et souverain. Pas gain bon relation avec États-Unis. Moi quoi ça? Président Capeteya, Leslie Voltaire, pas raté occasion an pour féliciter président élu américain Donald Trump dans un tweet li mette sous compte X li. Président Elia Donald Trump a bien pour prêter serment 20 janvier 2025 pour un mandat 4 l'année. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci gentil Augustin Junior. Donc hier pratiquement c'était une journée historique et qui mettait fin à notre campagne qui était historique tout. Et donc finalement c'est ancien président Donald Trump qui lui-même remporté la victoire sous vice-présidente et démocrate Kamala Harris. N'approche Jean-Aubert Philippe. Jean-Aubert Philippe, c'est un moment historique Jean-Aubert Philippe hier. Oui, effectivement, Jacques, c'est un moment historique. Donc, peuple américain, ancien président Donald Trump, il y a un mandat 4 ans pour diriger les États-Unis. Mais on a dit ça, alors ça qui vient dans ça, c'est que le président Donald Trump, il a semblé que tu as fini de constater que l'État a gagné majorité et quantité électeurs qu'il a besoin. Eh bien, il a prononcé le discours de victoire, sans n'est pas même tant que le rival démocrate, Kamala Harris, prononcer discours de concession. It's time to put the divisions of the past four years behind us. Prochain président des États-Unis, c'est un personnage familier. Il est Donald Trump qui a pu retourner sous pouvoir dans le mois janvier 2025 là, comme 47e président américain. Président Elia a remercié le peuple américain dans un message limité devant supporter Lyon dans West Palm Beach. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president. Je remercie le peuple américain pour honneur extraordinaire ça pour élire comme 47e président qui était déjà 45e président des États-Unis. Président Elia t'étend plus passé 7 temps après bureau de voiture te fermé sous côte est là avant de te parler avec supporter Lio. It's time to put the divisions of the past 4 years. Il est qui existait dans mitan nous pendant 4 dernières années. Il est pour nous unir nous. Supporter président Elia te confiant malgré son âge te montré, c'est un mage tout mince qui séparait Trump avec vice-président Kamala Harris. Madame si Maguire te fait 10 000 appels téléphoniques en faveur Trump pendant la campagne là. Moi quoi en pile monde fatigué à ça qui a passé là. Dans le pays là, tout bagaille monter tête nèg, manger, gasoline avec logement. I like the 4 years we had under Trump prior, and I'm hoping we can get back. Trump déclaré, moi t'ai remis 4 dernières années Trump t'a dirigé pays là. Moi espérer nous capable retourner dans même moment ça.
Après Trump fin remporté 270 grands électeurs nécessaires pour gagner l'élection, les républicains ont continué à ramasser sièges pour prendre contrôle du Sénat. Campagne ça, t'as gagné brutalité là-dedans. Président Elia chappé en bas deux tentatives d'assassinat. Yon gren bal te rafle zoreille droite li pendant l'étape mené campagne dans Butler, dans Pennsylvanie. Et image vidéo te montré candidat tap rele goumen. René White te présent dans Butler, jusqu'à ça. Et li te dans West Palm Beach pendant soirée élection. Li déclaré Trump besoin kembe même attitude ça pendant quatre prochaines années. Moins pas quoi li pral facile ou de continuer goumen. C'est un coup depuis le commencement, supporter yo te connaît, candidat yo a tapral remporté yon l'autre victoire. Ça, c'est que pi public la te recevoir dans célébration soirée veillée électorale là. Dès que pi a monte capable Trump, à ce côté a numéro 45 à numéro 47, qui c'est numéro quantité président américain qui dirigeait les États-Unis. Effectivement, Jacques, j'entendais. Donc, en plus de majorité que les républicains ont gagné dans le Sénat, eh bien, le peuple américain, ensemble, tout, est capable de bailler et une autre majorité, tout. Donc, c'est contrôle chambre des députés. Donc, il va prendre trop de temps non, pour le président élu et Donald Trump visiter la Maison Blanche, côté pour prendre connaissance du dossier administration sortant. Jacques. Merci, Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe qui t'a parlé nous de journée historique ça ici aux États-Unis après que ancien président Donald Trump il remporté la victoire sous Kamala Harris. Ou souvenez-vous à créole ou à suivre un programme dans langue créole haïtienne. Ou toujours souvé ou à créole, ou à suivre un programme dans langue créole haïtien. Réaction en Haïti tout sous victoire Joe Biden, sous victoire Donald Trump. Eh bien, gen Steven Aristide qui parlait avec quelques monde dans la zone métropolitaine Port-au-Prince là, sous victoire ça. Jeudi mercredi 6 novembre 2024, le pays États-Unis gagne Donald Trump comme 47e président li, après le résultat de l'élection qui était fait 5 novembre. Le pays États-Unis c'est un des plus bons amis pays d'Haïti. Dans l'objectif, ça, VOA Creole a traîné Micoli dans l'aéroport au Prince pour être capable de prendre réaction quelques Haïtiens sur le résultat de l'élection. Pour moi-même, je n'ai pas de pensée que Trump est président. Encore. Comprends? Parce que pour les gens qui ont pour les gens qui ont déplacé, je saisis que je suis président. Moi, ça me fait ça. Et pour moi-même, c'est une belle élection. Parce que pour moi-même, en tant qu'haïtien, parce que les dirigeants haïtiens autour, tu apprends ça tout comme une leçon. Pour le côté que les gens qui ont fait le pays, les gens qui aiment le pays, pour que tu fasses ça tout, moi-même, pour demain, c'est tout, pour me sentir à l'aise, pour me donner une élection comme ça, la caméra, pour me donner un monde qui est portant, un président qui jump, qui dirige. Kamala Harris n'était pas plus populaire que Donald Trump, et malheureusement, il finit perdu l'élection, et c'est si Trump bat lui à un grand écart. Et ça montre que, question élection, aux États-Unis, c'est question gestion pays. Il n'y a pas à jouer à la question. Ce n'est pas un pays comme Haïti, côté où prend n'importe qui, une tierce personne. Ok, il y a des gens qui sont de nulle part, qui n'ont pas de passé, qui n'ont pas de histoire et qui ont mal dirigé le pays. États-Unis, clair sur ça, il n'y a pas de n'importe qui dirigé le pays. Après le résultat de l'élection, l'ancien locataire Maison Blanche a pour le temps 20 janvier 2025 cap venir là pour être capable d'investir et commencer un deuxième mandat comme président premier puissance mondiale. Moi, c'est Steven Aristide depuis Ville-Port-au-Prince pour VOA Creole.
Après, t'es toujours dans le pays d'Haïti, t'as connu ce temps de déjà, président conseil et présidentiel transition, Leslie Voltaire, félicité président élu américain. Pendant que le premier ministre là, Gary Coney, lui-même, lui prononçait sous changement qui pourrait le gagner dans tête administration américaine après victoire Donald Trump. Détail avec Yves Manuel. Je voudrais vous remercier infiniment. Victoire Donald Trump sur Kamala Harris suscitait un pile réaction en Haïti. Dans pi au sommet l'État, Premier ministre Gary Coney quittait dans micro VOA Creole après une visite matin mercredi à Scoop FM, bat bravo pour démocratie américaine qui a fait chimeli. Nous constatons que le peuple américain fait choix. Nous constatons qu'encore une fois la démocratie a fait son chemin et a gagné. C'est pas toujours parfait, mais c'est ce que nous avons de mieux et donc nous acceptons. Candidat républicain qui remportait l'élection américaine fait un comeback historique dans Maison Blanche. Chef gouvernement haïtien rete croit changement ça dans establishment américain a porté risque et avantage. L'a expliqué. Changement ça a porté des risques et a porté des opportunités. Des risques sur question compatriotes nous qui aux États-Unis n'a suivre pour nous si ça va conduire à un rapatriement massif, donc faut ne pas rien en tant qu'haïtien de conséquences ça, mais parfois tout des opportunités parce qu'on gagne des monde qui pourra regarder situation avec un regard frais. Soit on peut faire pendant on fin faire évaluation risque et opportunité ça, c'est quoi positionner pour si risque matérialiser et positionner tout pour capable capitaliser sur opportunité. Élection américaine 5 novembre t'y créé en pile suspense en d'un pays. Victoire ancien président Donald Trump sur rival Kamala Harris fait plaisir compatriotes haïtiens gain quai cassé sous éventuelle déportation massif migrants sans papier aux États-Unis. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Et oui, ou sous VOA Creole, restez branchés. VOA Creole, actualité dans le pays d'Haïti, grâce à support mission multinationale soutien à sécurité, la police haïtienne menait diverses opérations dans le département de la Tibonite pour craser foyer gang. Renan Toussaint, depuis Port-au-Prince. D'après service presse et relations publiques, institutions policières, la police annonce reprendre contrôle route nationale numéro 1, sorti bas la Tibonite pour river Gonaïve. C'est dans le cadre des marches pour autorité policière rétablir l'ordre et la sécurité dans le département de l'Ouest à Glatibonite, différentes unités PNH, tant que UTAG, SWAT, IDMO, BIM, et unités drone, la police là, avec support, force multinationale soutien à sécurité en Haïti, témoignent différentes opérations et interventions dans le fief Gang Kokorat sans race, qui a opéré dans la section communale La Croix Piris, qui dans l'arrondissement Gonaïve, département la Tibonite. Force l'audio rivé délogé, gang qui tape théorisé population civile là, plus précisément dans zone Lister, pour faciliter reprise activité socio-économique qui était paralysée depuis quelques jours, selon service, presse, la police là, qui annonçait en pile bandit perdu la vie dans Bougataï Koudzam avec la police, plusieurs les autres courir à le cacher dans tête monde, ça va désolé. Cependant, un syndicaliste haïtien, Rémi Sanosier, souhaitait autorité compétente augmenter effectif l'armée d'Haïti avec la police pour capable éradiquer gang armé. Dans 3 mois, yo tab getan fin inscrit plusieurs jeunes garçons, jeunes femmes dans force l'armée, y compris la police là. Dans 6 mois, yo tab getan fin bay yo formation et yo pas tab besoin mission MSS pour venir aider la police avec l'armée. Pendant ce temps, au commandement PNH, toujours a prôné mariage police-population dans le cadre de lutte contre le phénomène insécurité. Renan Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint, toujours dans le pays d'Haïti, dans Port-au-Prince, en pile Timoun, pourquoi capable de reprendre chimé l'école environ un mois après réouverture académique 2024-2025 là. Yon correspondance depuis Port-au-Prince. Yon tout ces élèves lycée tout ces l'ouverture qui pourquoi j'aime suivi un journée coup depuis réouverture année scolaire académique 2024-2025 là. Qui foule macadam là pour demander relocalisation locale là qui dans zone bandi contrôlée. L'école là qui plusieurs mois que nous ouvert là, nous pas cacher une local pour nous aller à l'école.
Imaginons la majorité dans nous là, nous dans la classe terminale. Nous passons à l'école côté et deux sur l'école. Qui ça deux sur l'école à Haïti nous? Deux sur l'école à Haïti nous. Nous dans la ria là, pour nous jeunes locales, pour nous travailler, pour nous réussir à l'école là. Toute l'école a fonctionné, mais nous ne pouvons pas fonctionner. En samedi là, l'école a fonctionné, nous ne pouvons pas fonctionner, pour nous fonctionner tout. C'est vrai, nous même qui faisons bandit au vin classique, mais nous même l'éducation est importante, il faut que nous lever les gens. Directeur départemental Ouest Éducation Nationale là, Monsieur Franz Etienne, dit que des marches qui t'en met pour répondre à la revendication élève. Yo déclaration li fait pendant l'état présenté bilan premier mois l'école là dans le département. Dans Port-au-Prince, nous avons environ 9 lycées. Nous avons des difficultés de gagner pour que nous jouions l'espace pour les lycées Marie-Jeanne, lycée des jeunes filles, lycée Pétion, lycée Toussaint. Mais je dis à moi-même, si vous me dites nous, que presque tout lycée ça a un jeune espace et a fonctionné normalement. Seulement lycée Toussaint, que nous avons négocié avec le propriétaire, et d'ici lundi, élèves lycée Toussaint après reprendre le travail normalement. Dans l'école nationale que nous avons dans Port-au-Prince, 48 écoles nationales a fonctionné normalement et jeune espace. Naturellement, c'est grâce à des solidarités qui développent entre l'école nationale entre eux-mêmes et des écoles privées tout. Faciliter l'école nationale SAO, jeune des espaces pour héberger l'autre élève. Comme rappel, c'est le groupe NEC AXAM qui fait partie de coalition Vive Ensemble qui est écrasé et puis pillé bâtiment lycée Toussaint Louverture qui pas trop loin par les national dans le cadre mouvement armé a été déclenché contre ancien premier ministre Ariel Henry mois février passé. Cependant, dans la commune Cabaret, autorité a recensé plus passé 130 l'école qui était fermée à commune Akaye, yo compté tout 220 l'autre l'école qui dans même circonstance là. Situation ça, c'est conséquence attaque gang yo a fait sous population. VOA Créole, Port-au-Prince. Merci d'être choisi VOA Créole pour informer, restez branché. Pendant l'élection présidentielle, Anissa, il y a une pile question qui est entrée en jeu, notamment gagner et technique, mais dans la technique, là, tout gagner technologie. On a loué que ça s'est passé avec Fred Gaimit. Puis, il pays dans le monde gagner une commission électorale qui gagne responsabilité pour organiser l'élection et puis compter bulletin vote. Yo. Aux États-Unis, c'est l'État qui organise l'élection nationale. Il y a 50 systèmes différents, autorités utilisées sur qui les élections sont déroulées avec façon pour l'électeur enregistré et qui gens et qui l'est pour aller dans le bureau vote. Dans la soirée électorale, chaque État compte bulletin vote par yo et puis annonce résultat. Le système électoral là décentralisé, ça vient rendre les plus difficiles pour gagner un coquin ou soit magouille dans le processus là, côté une seule institution qui a supervisé tout résultat. Mais le système ça, qu'on la cause tout, retard dans la proclamation résultat. Par exemple, dans l'année 2000, l'été prend plus passé un mois pour y'a décidé qui est-ce qui gagne l'élection présidentielle dans l'État Floride, à cause de ta marché recompté bulletin vote dans l'État. Et y'a vu une suspendre comptage là, après coup suprême n'a été passé l'ordre pour y'a campé exercice là. Dans l'année 2020, y'a décidé qui est-ce qui remporte l'élection présidentielle États-Unis après plus passé 3 jours, à cause de l'État qui t'a gagné dans le comptage vote dans plusieurs États, tant qu'au Pennsylvania, Michigan, Wisconsin et Georgia. Pas de conseil électoral qui pour déclarer résultat officiel. C'est médias qui annonce gagnant à perdant yo et chaque réseau fait projection par yo dans temps par yo. Quelque temps permet n'importe qui monde voter pour choisir candidat parti yo. Ça veut dire monde qui sorti dans un parti capable changer pour aller dans l'autre parti pour qu'a désigner un candidat li pense qui a plus facile pour remporter la victoire dans l'élection générale yo. État yo fait propre bulletin vote yo et yo décider qui candidat qui ta doit sous yo. Parce que pas gagné un seul qualité bulletin vote fédéral pour tout pays a et l'état qui dans même élection aux États-Unis gagne opportunité pour voter pour divers candidats selon qui est qui t'est qualifié pour poser candidat dans l'état yo. Merci Fred Kaimit et dans cadre réaction après élection hier Madia nous pral dans état Floride et n'a rejoint Luxon Saint-Ville. Luxon, comment Floride levé jodia après annonce et victoire Donald Trump comme nouveau président les États-Unis? Faut nous dit que c'est un coup yon bloc glace que yon voyé sous communauté haïtienne après annonce résultat yo côté yo fait connait que Donald Trump c'est pral prochain président les États-Unis. Bon, ici en Floride, te gen des activités que yo te organisé, par exemple dans restaurant que n'a regardé là, te gen watch party yo te fait, tout moun te rassemblé pour yo te suivre
résultat yo, mais à la fin résultat après le vin tomber et en pile moun te senti c'est comme si c'est on tradition de l'eau yo voye sou yo son nouvelle qui te fait otnis mais en pile moun qui te dit que otnis. Mais est-ce que ou t'es arrivé parler avec quelques haïtiens après soirée ça et après ta jonce dit là coup de l'eau frette ça que prend? Alors moi parler avec des monde depuis la soirée jusqu'à arriver dans moment n'a parlé là. La soirée il y a des monde qui dit yo dessus, c'est pas pour ça au bataille. Gen qui dit que yo conscient pour al gen impact sur immigrant yo, on a regardé ça avec quelques monde que nous t'es arrivé parler avec dans la rue. Oui, avec toute raison pour le père à cause de menaces qu'il fait et ça il dit pas la privat fait dernier phrase de la préfère encore là pense n'a prêté dans prière n'a prêté dans bataille c'est ça nous qu'on fait c'est you know la quoi ça nous faire so ça moi déçu mais m'espérer que en pile moule yo pas le ressaisir pour ka wè que ils ont fait un mauvais choix. Parce que si vous êtes élu, on moun ka pour monsieur ça. Parce que lui promet nous pour lui faire une massive déportation. Et États-Unis sont un pays qui est fondé avec les immigrants. Même si on moun président ici, et pas tant pour payer en nous, le président fait ça, il veut, ça a un principe. Pour y déporter tout le monde, il y a un principe pour y faire. Mm-hmm. Même Jean Itap dit, et nous avons droit, ouais, Jean Itap fait campagne là, hier soir, monsieur premier fait discours, il plus ou moins relax dans sa étape d'IA. Ouais, pas même gens, il pas monté même gens. Il plus ou moins il ouvre le bois pour toute nation en pays et pour. Merci. Annonce résultat, ça, on a dit Jacqueline, gain haïtien qui tellement inquiété qui commence à penser à l'autre option, une façon pour être capable de rester ici aux États-Unis. Merci, Luxon Saint-Ville, de parler avec nous depuis Miami, dans l'État Floride. Nous pratiquement arrivés dans le fin programme. Nous avons dit que Valerio Saint-Louis, dans Kaila, dans Washington, D.C. Eh bien, nous disons nous tous merci de ce que nous avons branché dans le moment ça. Merci à Marc, Jean-Marc Hervé Abela. Et moi-même, moi, c'est Jacques Lebelize qui a passé rendez-vous avec nous pour demain. Et nous avons continué à gagner réaction sur la victoire Donald Trump dans l'élection qui déroulait hier ici aux États-Unis. Moi, c'est Jacques Lebelize. Et c'est toujours plaisir chaque fois que moi j'ai occasion pour que moi analyse ensemble avec nous et de comprendre ça qui est comme information. Et je dis encore, nous allons continuer à parler de dossier Haïti et parler tout sous Donald Trump qui retournait dans la Maison Blanche. Nan. Ok? Je dis, je voulais que, ouais, après défaite Kamala Harris, l'irélé gagnant, qui c'est Donald Trump, les félicite. Je dis, mercredi, l'irélé Donald Trump, pour le féliciter. Et monsieur est certain, dans l'appel ça, ils ont mis les États-Unis dans le milieu tous les deux. Ils ont mis les intérêts pays qui sont États-Unis dans le milieu tous les deux. Clair, monsieur est certain. Qu'on a engagé la canon Haïti. On gade moun nou rele politisyen mais leader politique nou en Haïti. An wè est-ce que les que yo rive nan jè de situation sa yo ou di mwen est-ce que les que yo rive nan phase sa ki comportement langage ki yo genyen et comment est-ce que yo prime Haïti? Est-ce que premier Haïti? Est-ce que mettez Haïti devant? Est-ce que mettez Haïti d'abord? Alors, ce que je dis, hein? Donald Trump mettez États-Unis d'abord. Mettez États-Unis devant.
Kamala Harris mettait États-Unis devant. États-Unis d'abord. Même les c'est perdant course électorale présidentielle. Est-ce que l'élection États-Unis qui fait là et côté Donald Trump privé réélu et li pral 47e président États-Unis, est-ce que ça pral gagner de retomber sur le monde y compris Haïti? N'a dit oui. N'a dit oui. L'a gagner de Donald Trump après pour passer 4 ans. Physiquement, selon ça que constitution américaine dans Bali, durée mandat, c'est 4 l'année. La prêté serment le 20 janvier 2025. La gué poule mes pouvoirs le 20 janvier 2029. Jean, maman loi, pays États-Unis en deal. Et pendant 4 l'année ça, moi je suis certain pour qu'elle travaille dans l'intérêt États-Unis. Il va travailler d'abord dans l'intérêt peuple américain. Oui. Oui. Les prêts travaillent d'abord pour les améliorer condition la vie peuple américain. Kounia, ou même qui c'est immigrant qui a vive aux États-Unis, ou pas parmi moun qui pourrait bénéficier ça. OK? Ou bien parmi moun qui a bénéficié ça. Mais d'abord, c'est intérêt États-Unis. D'abord, c'est intérêt américain pareil. On me laisse ça clair pour nous. Et je comprends les haïtiens qui immigré cap vive aux États-Unis, soit qui par un statut, ok, qui par un statut légal, on comprend qu'est sauté qui au gain. Alors c'est pas seulement immigrant haïtien, immigrant c'est que plusieurs immigrants d'autres pays qui par un statut légal qui a sauté avec rivé Donald Trump. Mais comme n'a pas les pour Haïti, haïtien frère monsieur pareil moi yo. Et ça fait m'a parler de haïtien. Parce que rivé Donald Trump là, c'est pas seulement haïtien qui vivent aux États-Unis, soit qui par un statut légal qui est sauté, mais non. C'est tout immigrant qui par un statut légal qui gessan relé qui est sauté avec rivé Donald Trump en la tête États-Unis. Et je dis à me comprendre tout. Me comprendre obligation qui ba nous qui est sauté. Me comprendre obligation qui ba nous qui est sauté. Parce que notre campagne électorale Trump l'été vraiment mettre accent sur question de étrangers qui a vivre États-Unis qui pas gain qui illégal. Elle te dit moun sa yo li pral déporter yo. Il yeah. Dit moun sa yo li pral déporter yo. Et c'est ça qui bay moun yo en pile qui est sauté. OK.
C'est ça qui bay moun yo qui est sauté. Mais m'le ken comprenn. Pas rien qui dit que ça trompe tap dit nan campagne électorale yo, pas rien qui dit la fait yo et qui j'ai la faire si la fait yo. Il y a quelqu'un qui dit tout s'il pas faire autour. Il doit faire, il doit pas faire. Et kounya si la fait gagne de façon ça a défini et s'il pas faire tout, c'est encore mieux pour immigrants yo qui vivent aux États-Unis. Et parmi eux les immigrants haïtiens. Parmi eux les immigrants haïtiens. Mais moi même dit nous clairement que je dis à ça m'le ken comprendre parce que m'le m'yo comprendre tout et pas seulement haïtien qui a vive États-Unis qui était vraiment focus de élection ça et pas seulement haïtien qui vive en Haïti qui était tellement focus de élection ça mais que gede le groupe moun ki n'a pensé qui était tellement intéressé. Par exemple, israélien, palestinien. Ça a été vraiment intéressant. Et je dis à question guerre qui gagne dans Moyen-Orient, Israël avec Hamas, mettez avec je dis à Liban. Guerre là aussi Ukraine. Guerre ça yo. Il n'a pas joué en faveur Kamala Harris. Il n'a pas joué en faveur Kamala. À côté de le problème qui gagne, oui. Mais ensemble de guerre ça yo, il n'a pas joué dans intérêt Kamala. Parce que il a critiqué complètement Joe Biden à toute Kamala Harris qui pas prendre de décision. Côté empêcher guerre Israël à Masna. Côté que je dis, hein, l'armée Israël, presque tout est 50 000 moun. L'armée Israël détruit et Gaza. Bien que c'est action, mais une réaction. Parce que si militants à Masio, Patel et tout est autant de Palestiniens et Israéliens et kidnappé quantité Israélien ça yo, moi je suis certain l'armée Israël pas après le chum agit sur comme ça, m'bassé. Mais quand il y a les pas qu'on est que le pas gain face pour le gourmet, là fait attaque ça, eh bien Israël tombe et agit. Et qui menait du 7 octobre 2023, 23. Rive, jou kamou on a parlé en la, gen Israël Hamas a pas jamais campé. Et majorité moun ki mouri nan gen, et nan frappe Israélien yo, c'est si moun ak fam. Mais faut comprendre. Et gen qui existe entre la Russie et l'Ukraine, non. Ça li même gen plusieurs années. Ça qui plusieurs années. Kounia, pendant ce temps, États-Unis a fourni moyen avec Ukraine. États-Unis a fourni moyen avec Israël. Kounia, arrivé Donald Trump. Oui. Rivé Donald Trump dans Maison Blanche là. Qui comportement qu'il va gagner? Yeah. Rive Donald Trump dans la Maison Blanche le 20 janvier 2025 arrivé là qui relâche comment il commence à développer relation li sur le plan international et qui est pour avec conflit qui existait dans Moyen-Orient et conflit qui gagnait entre et Ukraine et la Russie. Parce que, vous avez dit, mais Russie, Ukrainien, Israélien, Palestinien, je sais des gens qui étaient vraiment préoccupés avec l'élection des États-Unis.
et qui est aux États-Unis, qui réside aux États-Unis. Kounia, ça veut dire que en pile pays dans le monde, qui t'a suivi l'élection aux États-Unis, il y a chaque intérêt qui est obtenu. Qui est dans deux mouns qui a bien président des États-Unis? Je ne comprends pas ce que je dis. Elle dit, tu as des intérêts. Soit bon côté Harris, mon cap supporter Harris, parce que tu as des intérêts, c'est Harris qui est bon. Tu as deux mouns qui supporter Trump, mais tu as des intérêts, tu as des raisons qui font que tu as laissé Trump qui est bon. Je ne comprends pas. Ça veut dire que intérêt yo yo en pile et intérêt yo divers. Intérêt yo en pile, intérêt yo divers. OK. Intérêt en pile, intérêt divers. Mais pour nous-mêmes haïtiens, intérêt nous comme haïtiens, li plus que une question de haïtiens qui ici aux États-Unis. Haïtien qui ici aux États-Unis peut-être qui eux-mêmes qui va gagner papier. OK. Qui donc je dis hein les haïtiens qui vivent en Haïti yo comprendre et même si là qui est aux États-Unis yo moi veux que vous comprenne que oui élection États-Unis intéresse nous parce que l'a déterminé la vie avenir disons plusieurs milliers de compatriotes haïtiens qui eux-mêmes vivent aux États-Unis. Mais pas oublier que plus gros intérêt que haïtien gagne c'est goumen pour la caille nous bon. Yeah. Plus gros intérêt que haïtien gagne c'est bataille pour une bataille pour que la caille nous bon. Bon, c'est pas ça qu'a fait. Parce que le gars de deux mouns sa le bois là qui a pété ça avec Koni qui a promet toute la cette journée pour question de remaniement ministériel qui a promet toute la cette journée pour question de pouvoir au vin comprendre que monsieur dame qui sa dans l'état yo pas gain intérêt yo pas gain affaire pays à régler. Il n'y a pas de cause pays à régler. Non. Pas de affaires pays à régler. Et c'est ça que je dis non. Que je peux comprendre que. OK. Je peux comprendre que l'élection des États-Unis intéresse nous en pile. Et c'est le monde, oui. Et là, il y a un impact. Je connais si c'est dans le bon ou dans le mauvais sens. Mais la a un impact sur Haïti. La a un impact sur Haïti. Quel que soit dans bon bien dans mauvais, la a un impact sur Haïti. OK? Mais qu'il a quel que soit impact que la a sur Haïti, mais faut nous dire Haïti c'est pour haïtien lié. Haïti c'est nous-mêmes, c'est haïtien qui pourrait faire Haïti. Yeah. Nous ca jeune bourade.
Nous avons un support dans les internationales. Mais c'est Haïtien qui vous mettez ensemble pour y aurait fait un autre Haïti. Et pas blanc qui a fait pour nous. Yeah. Parce que le bagage la clé. République est passée, rien n'est pas changé. Démocrate passé, rien n'est pas changé. Ça veut dire, tous les détails d'un sio, il n'y a pas venir rien pour vous. Ou la caillou, c'est pour prendre la décision la caillou. Bien que, on connaît États-Unis, lycée met Haïti. Ah, en pile dans la décision qu'a prend Haïti, yo. Ok? En pile dans la décision qu'a prend Haïti, yo. On connaît que c'est pas. Et bien, autorité nous prend décision ça, yo. Non, pas vous-même. Et bien, vous-même qui prend décision ça, yo. C'est les États-Unis. Si nous regardons, par exemple, si nous regardons,